Ensuite, pour les personnes effectivement qui tombent en hypoglycémie, donc le taux de sucre diminue au sein de l'organisme et cela peut provoquer des malaises comme un évanouissement, comme par exemple la personne elle va avoir des maux de tête importants, elle va devenir pâle. Donc ce sont des signes qu'il faut connaître et la meilleure chose dans cette situation-là, c'est de prendre du sucre, du vrai sucre, et de le mettre dans la bouche de la personne en fait. Quand vous voyez qu'une personne, elle est en hypoglycémie, il faut tout de suite amener du vrai sucre. Le miel, c'est bien, mais le miel demande un certain processus de digestion, vous voyez, parce que dans le miel, il y a du glucose, il y a du fructose, il y a d'autres choses. Alors que si vous ramenez du sucre pur, 100% sucre, il n'y a que du sucre. Et c'est très vite absorbé par l'organisme. Donc, la meilleure solution, c'est du sucre avec un petit peu d'eau pour tout de suite faire monter la glycémie. Sinon, si vous n'avez pas de sucre sur vous, vous prenez, du coup, voilà. Le seul moment où je conseille aux gens d'avoir du soda ou du jus de fruits, ou bien tout ce qui est les sirops, c'est ce moment-là, en fait. Là, vous prenez un oasis, ça va, la glycémie va augmenter très, très rapidement. Donc, s'il y a du sucre à proximité, donnez du sucre directement.